Bonjour à toutes et à tous, j'ai 2 minutes pour vous présenter Socrative. Donc Socrative est un outil qui permet d'évaluer la compréhension de son audience assez simplement. Donc il y a deux manières de se loguer au site, la façon, donc l'espace du professeur et l'espace de l'étudiant. Donc au niveau de l'espace du professeur, il suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe. Et on arrive sur cet écran qui vous donne un numéro de chambre, room number, qu'il faut communiquer aux élèves. Et ici, je vais simuler en fait deux comptes élèves pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, l'élève rentre le numéro de chambre et il est mis en attente des activités qui vont être proposées par le professeur. Donc, par exemple, on va passer une diapositive au tableau avec différents choix. Et ici, les élèves vont pouvoir sélectionner le choix A, B, C, D ou E correspondant. Et ensuite, l'enseignant va pouvoir récupérer les résultats directement comme ceci, de manière visuelle. Il existe d'autres manières d'évaluer, donc true ou false, donc un vrai faux, ou short answer qui permet d'enregistrer une réponse courte. Ensuite, on peut enregistrer des quiz directement dans l'application. On va pour ça dans Manage Quiz. Ici, donc, on peut éditer un quiz. Donc, par exemple, j'en ai créé un qui s'appelle Test, dans lequel on va pouvoir ajouter des questions vrai-faux ou questions à choix multiples, ou alors tout simplement écrire du texte. Donc voilà, on va pouvoir revenir en arrière et faire Start Quiz pour commencer le quiz. On peut soit laisser les étudiants faire le test en entier ou s'arrêter question par question. Donc on va laisser les élèves faire le test en entier. Et du côté des élèves, donc là je mets le live result, du côté des élèves, on va avoir le quiz qui va s'afficher. Voilà, les élèves peuvent répondre question par question. Donc là je réponds un peu n'importe quoi. Voilà, aux différentes questions. Et ensuite, les résultats s'affichent ici dans la zone. Donc, on peut avoir une synthèse des résultats. Ensuite, on peut télécharger un rapport au format XLS pour synthétiser les résultats. Voilà, donc c'était Socrative en 2 minutes. Si vous voulez plus d'informations, regardez ce qui est en dessous de cette vidéo. Allez, ciao!